Hey, salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la série de LCS, le Trucker. Donc, pour le coup, vous avez bien compris, on est sur American Truck, dont le capteur qui est juste derrière moi. Pour le coup, on va se retrouver sur la route juste après l'intro. Alors, pour le coup, j'espère que vous, ça va les amis, parce que moi, ça va très très bien. Alors, du coup. Normalement, c'était une autre mission qui était prévue pour ceci, pour aujourd'hui. Mais, manque de bol, je sais pas ce qui s'est passé, mais la mission, elle a disparu. Elle a disparu, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, plus de son, plus d'image, je ne sais pas pourquoi. Donc, pour le coup, voilà, donc du coup, j'ai dû prendre une autre mission, vite fait. Donc, du coup, voilà. Tac. Et remable. Donc, j'ai pu. Moi j'ai mon. Il Et en plus j'ai mon volant qui se fait la malle, Jean-Claude. Alors je sais pas par où je dois sortir, mais c'est bien ça. Ça commence bien. Ah si, c'est par là la sortie. Hop, allez, on se remet en vue intérieure en espérant que ça passe bien derrière. Oui, super, Night. Bon, bah, pour le coup, on a passé largement déjà les 100 000 euros. Donc, peut-être que oui, peut-être que non, on va pouvoir se prendre un nouveau camtar. Donc, pour le coup, on va se diriger vers. Je sais même pas. Alors, on a quoi? On a une charge sur pneu, sur le cul. Et on va en destination de Plaster. Bon, bah, c'est bien ça. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Non? Remets-moi le GPS. Voilà, que je sache où je vais. Je sais même pas s'il y avait un feu là. Hop. Allez, ça c'est vu. C'est good. Parce qu'on roule en forêt. C'est très bien comme ça. Oula. Hop. Oh, par contre, il est rouge. Là, par contre, ça va être temps d'axe. Je sais même pas, je vois pas le feu. Bon bah, hein, tant pis, pas grave. Un petit amende, hein, voilà, tant pis. c'est de ma faute, c'est vrai, je me suis pas mis dans le bon axe. Ah bon, bon, tout de suite. Je n'ai pas trop grand-chose de spécial à vous dire aujourd'hui, sauf que j'ai décidé d'être, enfin, je vais essayer d'être plus actif sur Instagram, les amis. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, naturellement. C'est là que je vais donner des différentes petites informations qu'il n'y aura pas forcément ailleurs. Peut-être sur Facebook aussi, mais ça c'est un peu moins sûr. Donc, je compte sur vous pour me suivre. Merde! Pour me suivre sur Instagram. D'ailleurs, bah, beaucoup. Hier, j'ai fait une petite vidéo par rapport au caméscope que j'avais acheté il y a la semaine dernière. Donc, l'unboxing. La dernière unboxing, je crois que je vous avais fait par rapport à ça. Donc malheureusement, j'ai eu quelques petits soucis avec. Du coup, je vous laisse découvrir tout simplement les petites vidéos. Je sais par contre, je sais pas si elle était, si elle est sortie de la story. Et par contre, hop, c'est mieux de se mettre comme ça, se mettre en mode conduite, c'est mieux. Voilà le petit fail du début de vidéo. Le mec a oublié de changer de plan, mais c'est pas grave. Donc, du coup, ça n'a pas duré trop longtemps. Ouais, 5 minutes, bon. Vous avez vu, pendant 5 minutes, un gros plan sur ma tronche. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, oui, en tout cas. Par rapport à ce caméscope-là, je vous laisse aller découvrir la vidéo si c'est le cas, mais je suis pas sûr. Mais pour coup, on a eu un problème avec. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de la ramener, de la réexpédier d'où elle venait et me faire rembourser tout simplement parce que voilà, j'en étais absolument pas content.
malgré qu'elle faisait une belle image, que même en mode webcam, elle marchait très bien. Elle faisait une super super belle image. Et un événement inattendu sur votre itinéraire, une modification manuelle sur votre GPS et... Ah, il y a eu un accident. Il y a eu un caleton? Ah oui, il y a eu un caleton. Ça a caletonné d'huile. Bon bah c'est pas grave, hein. On va voir, je pense qu'on aura assez de carburant pour tout ça. Voilà. Donc du coup il va me dire de faire demi-tour. Hop. C'est chiant parce que je vois pas les feux. Ah ouais. Le petit screen qui revient. C'était celle d'après. Hop, allez, on va sortir là. On va faire demi-tour pour prendre la bonne bretelle tout de suite. Allez, go, on roule. On va vérifier qu'il n'y a personne pour déboîter. Non, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas une ça, donc c'est bon. Tac. Bon, pour le coup, aujourd'hui, ça va être un épisode assez calme, je pense. Donc aujourd'hui, je vais pas lire commentaires parce qu'il y en a eu que deux et voilà, j'ai juste que c'est pas nécessaire pour aujourd'hui. En tout cas, bah, merci déjà de vos commentaires pour ceux qui en ont mis. Ça fait très plaisir. Et bah, pour le coup, n'hésitez pas à partager un maximum, les amis. Je tiens à le rappeler quand même que j'ai la ferme intention de passer les 1000 abonnés très vite. Hein, donc je compte un maximum sur vous. Pour faire passer, et je tiens à le rappeler que le jour où on passera enfin le 999e abonné, il y aura une vidéo qui sera tournée dans la foulée. Et bah, pour le coup, vous saurez pas quoi parce que je vais pas vous le dire. Hein, ça sera une petite surprise pour vous remercier bah, déjà de tous vos partages, etc. Et je pense que ça vous ferait plaisir, et pour le coup j'ai hâte aussi parce que ça fait déjà un moment que j'y pense, hein, donc oui c'est vrai je m'y prends vachement longtemps à l'avance pour voilà parce que la caméra parce que la caméra parce que tout simplement ça va me prendre énormément de temps à tourner déjà, et en plus de ça au montage ça va être un vrai cauchemar, mais c'est pas grave, le plaisir du montage est quand même présent. Donc bien évidemment, n'hésitez pas à partager les amis, the candle vous. Allez, roule ma poule. Je sais pas s'il est encore rouge. Merde. Bon. Donc, en tout cas aussi, j'espère que tout ce qui est problème de volume, ça a été enfin réglé. Donc, enfin, j'espère en tout cas. Donc, c'est pareil, je compte sur vous aussi pour me dire dans les commentaires si vous trouvez déjà la qualité du son meilleure ou pas. Si vous voulez, si vous, vous entendez des sons un peu parasites ou des sons dérangeants qu'il faudrait que je modifie, n'hésitez pas à me le dire aussi. De cette façon-là, ça va me permettre d'avancer un maximum. Et surtout de vous sortir un son de très bonne qualité. Voilà. Et j'ai remarqué que je crois que j'ai un léger décalage entre le son et l'image. Alors, je sais pas trop. J'aimerais avoir votre avis si vous trouvez pas qu'il y a une différence. J'ai l'impression, je sais pas pourquoi j'ai l'impression, ça devient obsessionnel même. C'est vraiment bizarre. J'ai modifié encore le retard du volume.
Enfin, le retard du micro par rapport à l'image, j'ai retardé d'à peu près 2 millisecondes. Normalement, j'ai fait un test avant de commencer à tourner. A priori, ça a l'air d'être pas mal, mais on n'est pas encore dans la perfection. Et bah, pour le coup, j'ai envie d'avoir votre avis aussi. Ça peut être sympatoche, mais bon, j'espère en tout cas que ça va être bon parce que régler tous ces volumes, au bout d'un moment, ça commence à devenir casse-birne. Voilà. Comme ça, une fois que ça fait, bon débarras, j'y touche plus. Voilà. Donc évidemment, il y a des bruits parasites, comme par exemple un briquet, ça, je ne peux pas m'en débarrasser. Ça fait trop de bruit. Ça, j'y peux rien, j'y peux rien, j'y peux rien du tout. Sur le tutu. Pardon. Donc, bah, j'espère qu'on va pas mettre trop de temps, hein, parce que quand même, avec ce petit détour, j'espère que ça va pas dépasser 30 minutes. Au moins maximum, parce que comme vous pouvez le savoir, comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis un moment sur cette série-là, la vidéo dure le temps d'une cargaison. Donc si la cargaison fait 1 heure, ça, non peut-être pas 1 heure, si ça fait 1 heure, je vais couper en deux hein, la vidéo. Voilà, donc ça fera partie 1, partie 2, mais autrement, voilà. Autrement, voilà, je ferai la vidéo, enfin. Je la ferai en 2 fois, donc du coup, pour le coup, vous aurez, bah, par exemple, aujourd'hui, vous avez la première partie, et dimanche d'après, vous aurez, enfin, dimanche suivant, vous aurez un nouvel, bah, vous aurez la deuxième partie, donc l'arrivée à l'entrepôt. Mais pour le coup, là, pour l'instant, c'est pas des longues distances, donc pour l'instant, je vais pas le faire, je pense pas. Mais quand on fera des longues distances, je pense que c'est comme ça qu'on va travailler. Parce qu'autrement, des vidéos qui durent trop longtemps, ça va devenir casse-couille. Voilà, j'ai remarqué que vous aimez pas trop ça. Les vidéos qui durent trop longtemps, ça a tendance à vous faire peur. Donc, pour le coup, c'est pour ça que voilà, j'aime pas trop dépasser les 20 minutes, parce que de toute façon, je sais très bien que passer les 20 minutes, il y a beaucoup d'entre vous qui regardent plus, donc pour le coup, ça pas du tout d'intérêt pour moi. Pour moi, le travail n'est pas récompensé parce que vous ne regardez pas jusqu'au bout. Et bah pour le coup, voilà, c'est un peu dérangeant, donc c'est pour ça que est sorti le format 20 minutes, Tefren. Voilà. Alors, il nous reste 123 miles. Bon, j'espère qu'il va pas nous faire faire que des routes de merde. Oh, remarque, ça change un petit peu. Que faire l'autoroute. Alors, pour le coup, moi, il va venir me tourner là. Évidemment, lui il passe au vert quand je passe au. Aïe. Allez, roule ma boule. Roule ma boule. Oui. No comment. Voilà, c'est samedi, je suis fatigué, j'ai encore la tête dans l'air, après 2 cafés, mais tout va bien. C'est pas grave. Donc aussi, ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, c'est que prochainement, vous aurez un nouveau jeu sur la chaîne. Quand exactement, où et quand, comment, pourquoi, je vous laisserai le découvrir. Parce que tout simplement, je ne sais pas moi-même. Donc voilà. Mais je pense prendre un autre jeu rapidement. Parce que tout simplement, je pense que la série du samedi va tout simplement s'arrêter. Parce que on arrive à peu près à 30 épisodes, et je pense que 30 épisodes pour une série, c'est déjà pas mal. Parce que cette série, elle a commencé quand même. Cette série, je l'ai commencée depuis le début de la chaîne, en fait. Pas depuis le début de la chaîne. Depuis que j'ai repris la chaîne, elle était déjà en place, en live. Donc pour le coup, après, elle est repassée que en vidéo. Mais pour le coup, arriver à 30 épisodes, je pense que c'est suffisant. Pour arrêter, je pense que c'est assez long. Pour le coup, après, bah tiens, dites-le moi aussi dans les commentaires, les amis. Comme ça va me permettre de savoir si au bout de 16 minutes, qui regarde pas. Voilà. Donc dites-le moi dans les commentaires si vous estimez que 30 minutes, 30 minutes, 30 épisodes, c'est assez. Donc pour le coup, là, on est en 25 ou 26e épisode. Donc la limite, je vais faire jusqu'à 30. Pour arrondir, tout simplement, pour finir la partie, même si on n'a pas arrivé à l'objectif qu'on souhaitait.
Mais bon, après, c'est voilà, c'est pas grave. De toute façon, ça va être remplacé. Faut bien remettre un peu de neuf sur le jeu, parce qu'il faut pas oublier que c'est une chaîne multigaming. Donc, automatiquement, je vais pas faire non plus que du farming, que du ATS, que du Project Cars. Je vais faire aussi plein d'autres jeux, vous faire découvrir des jeux, même qui sont peut-être connus, qui sont sortis il y a très longtemps. Mais pour le coup, voilà, j'ai aussi l'envie de jouer, de tester ce jeu, parce que moi-même, je les ai peut-être jamais joué dessus, donc je ne sais pas comment que ça se passe. Et pour le coup, bah, les découvrir avec vous, c'est un grand plaisir. Et bah, franchement, c'est super cool. C'est super cool, Max! Allez, roule ma popoule. Ah tiens, pour le coup aussi, ce serait intéressant de savoir quel. Bah tiens, je pense que je vais mettre un petit sondage sur Instagram, peut-être aussi sur Facebook, et pourquoi pas sur YouTube. Mais il faut que je vois comment ça se foutu, parce que ça, sur YouTube, j'ai encore jamais fait. Pourquoi pas même dans la vidéo. Quel jeu pensez-vous que je vais acheter? Ça sera à vous de me le dire. Hein. Quel jeu pensez-vous que je vais l'acheter? Que je vais vouloir prendre, vous faire découvrir. Ça pourrait être intéressant à voir. Je pense que ça va permettre aussi d'un petit peu d'avoir un petit peu d'interaction entre vous et moi. Et voilà. Parce que j'en ai envie. Voilà, j'en ai envie. Déboîte pas, toi. Et parce que j'en ai envie aussi, ça pourrait être intéressant à voir. Comme ça, je suis curieux de savoir quel jeu que vous-même vous souhaiterez voir sur la chaîne, hein, pour le coup, pourquoi pas. Après, c'est sûr que les jeux comme Fortnite, ça c'est banni d'office, parce que voilà, c'est des jeux que j'aime pas. Ce genre de jeu-là, j'aime pas du tout. GTA, pour l'instant, bon, j'en ai pas envie plus que ça non plus. Parce que comme je l'avais dit précédemment, ça serait plus un jeu que j'achèterais. Pour le faire en live, pour passer des moments tranquilles, franchement, pour se détendre en fait, hein, pour faire juste les cons, voilà, tout simplement. Moi, je roule sur la pompe d'urgence, donc du coup, voilou. Donc, évidemment, ça sera dans le style simulation. Après, ça sera à vous de me dire qu'est-ce que vous pensez que je vais prendre, mais aussi qu'est-ce que vous aimeriez avoir sur la chaîne. Tiens, ça peut être intéressant aussi, comme encore une nouvelle question. Qu'est-ce qui vous intéresserait de voir sur la chaîne, tout simplement. Ça pourrait être intéressant, et peut-être que certains d'entre vous, je déciderai de vous faire plaisir, parce que pour l'instant, j'ai pas pris ma décision, donc je ne sais pas qu'est-ce que je vais prendre comme jeu, tout simplement. Donc, pour le coup, aussi bien, certains d'entre vous, ça leur fera énormément plaisir. Mais après, ça reste à voir. Faut pas que ça soit un jeu non plus qui coûte la peau du cul. Donc aussi, je tiens à le rappeler que vu qu'on approche des fêtes de fin d'année, vous avez mon lien Instant Gaming qui se trouve dans la description. Donc si vous souhaitez faire un cadeau à quelqu'un d'un jeu, pardon, vous avez juste à sélectionner la plateforme de téléchargement souhaitée, le jeu que vous voulez le prendre, donc pour l'acheter. Et au moment où vous l'achetez, vous avez une petite case à cocher. Donc c'est soit pour vous ou pour un ami, donc pour le coup, pour en faire cadeau. Donc vous avez juste à cocher sur la case, mais par contre il faudra juste un élément supplémentaire, c'est l'adresse email de la personne concernée, tout simplement pour que Instant Gaming lui envoie la clé de téléchargement, parce que sans ça, bah, il va se la trouver comme un con. Voilà. Et aussi vous pouvez avoir jusqu'à moins 80%, donc c'est très intéressant par mon lien. Vous pouvez avoir jusqu'à moins 80% donc sur différents jeux comme ATS, Project Cars. Vous avez un paquet de jeux. Franchement, je crois que ils sont tous même répertoriés sur Instant Gaming à différents prix. Donc les promotions changent régulièrement. Donc n'hésitez pas à venir régulièrement. Donc n'est pas forcément voilà, il est là, il est à moins 20%. Bon, je l'achète. Si vous voulez avoir moins cher, c'est pas compliqué. Vous surveillez de temps en temps, vous venez de temps en temps, bah, par exemple sur une semaine, vous venez de temps en temps, vous observez le prix, vous regardez un petit peu comment que ça change, si ça monte ou si ça descend, et puis en fonction de ça, vous faites votre choix, et puis terminez, on n'en parle plus.
Parce qu'il faut pas oublier que le e-commerce, c'est ça, ça change beaucoup, ça peut changer d'une heure à l'autre. Une promotion peut changer d'une heure à l'autre. Je me suis déjà fait avoir plus d'une fois, donc c'est pour ça que je vous donne ce petit conseil, les amis. Et vous pouvez aussi me rendre visite sur mon compte Instagram, Facebook et sur le blog, même si ça fait un moment que j'ai pas été dessus. Mais bon, vous pouvez quand même aller faire un tour dessus. Il y a quand même quelques trucs qui sont dessus. Mais je crois que même à terme, celui-là, il va finir par bazarder parce que j'ai jamais le temps d'aller dessus. Et pour le coup, je pense que j'y reprendrai ça plus tard quand on sera un peu plus nombreux sur la chaîne pour vous donner des petits grades VIP entre guillemets. Par là que vous pourrez accéder à certaines choses. Voilà, voilà. Et ça fait 23 minutes. Hein. 26 miles. Bon, allez, on va. Ouais, bon, je pense pas que ça va dépasser 30 minutes. J'espère pas. Au pire, je couperai quelques petites scènes. Bah, tiens, pourquoi on va faire un essai? Je vais couper quelques scènes sur cet épisode. Je vais couper quelques scènes, donc pour que ça descende en dessous de 20 minutes. Je vais couper des scènes là où je parle pas, là où c'est calme, là où il n'y a pas un chat. Je vais essayer de mettre ça assez propre quand même, mais je vais essayer de faire ça. Et puis, je veux voir vos retours. Donc c'est pareil, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Hein. Comment vous trouvez cette nouvelle façon de procéder. Hein. Si vous souhaitez les moments où je parle pas, où je dis rien. Que je coupe entre guillemets parce que voilà c'est plus de la route que je coupe entre guillemets pour que bah, tout simplement que ça passe moins vite que ça passe bah, que ça passe pas un blanc con voilà à vous de me le dire hein, les amis. Ouh un peu plus ouais et toi ta pétalière elle était refaite. Bon, il est cramé, on roule quand même. Allez, roule! C'est chiant avec ce camion, je vois rien qu'est-ce qui se passe dehors. N'empêche, elle est belle la chargeuse. Juste le petit screen qui va bien. Voilà, en retournant du cabine vite fait. Donc vous l'avez compris, le screen pour la miniature. C'est logique. N'empêche, franchement le paysage ici, je l'aime bien. Putain mais c'est chiant, je vois rien que ce caméra. Le paysage, il est vraiment très joli quand même. J'adore, franchement j'adore. Et quand j'adore, j'adhère, pardon. Allez, roule. J'arrive! Encore un feu? Mais putain, mais ici, ils savent plus qu'ils avaient trop de feu en ou quoi? On va de lier! Et c'est là que je tourne en plus. Oh putain, il est long en plus. Allez, roule! J'ai un peu foiré mon virage, c'est pas grave. Donc après, il faut que je tourne là. Il y a le stop que j'ai cramé. C'est bon, personne roule. Ouh.
Oh! Oh, j'aurais pas mis ma main entre le pare-choc et la barrière. Entrez! Ah, évidemment, on va aller chercher la complexité de la chose, bien sûr, et comme d'habitude. Alors, je dois la ranger là-bas. Ok, man. Allez. À chaque fois, j'ai la trouille, c'est que mon volant il se décroche de ma table. Ah, je vous jure, un de ces cas, ça va m'arriver, hein, le volant il va me rester dans la main. Avec le retour de force, le bordel il va. Il faut bien se mettre dans l'axe. Hein. Marche arrière, toute parcelle. Oh ouais, ça c'est de la marche arrière, ça. Ça c'est de la marche arrière bien comme il faut, ça. Hop là! Et voilà le travail. Hop, on décroche. Et puis moi, sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Merci de me suivre, les amis. Vous êtes vraiment super géniaux. Je compte sur vous pour partager un maximum et nous faire passer les 1000. Et puis sur ce, salouche!